Pavillon Thanatopsi de la garnison militaire de Douala. L'ambiance est lourde. Dans la chapelle ardente, la dépouille de David Eto, géniteur de l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto, ses frères et sœurs, la mine triste, c'est la levée de corps. La gerbe de fleurs du couple présidentiel est bien en place. L'adjoint au directeur du cabinet civil, Olva Baboké, représentant personnel du chef de l'État, peut alors se plier devant la dépouille. Une demi-dizaine de membres du gouvernement et assimilés, venus apporter du réconfort à la famille, tout comme les anciens footballeurs, parmi lesquels l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Dans l'homélie de circonstances, le chemin tracé par le défunt est pris en exemple. Chacun puisse véritablement s'engager sur le chemin de la conversion, en se laissant emporter par cette parole que transforme. Mais nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Moment d'émotion, de prière, lorsqu'arrive le moment de quitter la morgue, la gestuelle, le pas est cadencé et rythmé. Mais avant, l'identité du défunt est saluée. La dépouille de David Eto, décédé le 17 avril 2023 des suites de maladie à l'âge de 69 ans, quitte la garnison pour le domicile familial dans l'arrondissement de Douala 5e, où une veillée est prévue avant le départ pour Ngambé dans la Sanaga Maritime, localité où il sera inhumé samedi 13 avril 2024.